et schéma de désespoir de la jeunesse. Ces schémas. C'est très important. Si vous allez dans la paix pour détruire, vous allez vous apprendre qu'à vous-même. J'étais en train de me dire qui a dit que les universitaires ne participent pas. Nous avons invité un éminent expert, vraiment un. Remercier l'université de Kinshasa, l'université de Bounia, à travers le laboratoire scientifique de paix et justice, démocratie et développement, pour avoir jeté son dévolu sur ma modeste personne en m'invitant à cette conférence sur le thème jeunesse congolaise. Paix, élection et développement. Je voudrais enfin vous remercier, vous tous ici présents. Vous n'avez pas épargné votre temps pour venir nous entendre. Excellence honorable à vos titres et qualités. J'ai été convié à échanger avec vous ce matin sur le thème jeunesse congolaise, paix, élection et développement. C'est dire, même à Ituri, nous parlons, lorsqu'on parle de la jeunesse, nous parlons de cette jeunesse qui forme la jeunesse congolaise tout entière. Ainsi, mon propos va s'articuler autour de 5 points. Je parlerai premièrement de la République démocratique du Congo. Je dirais que c'est un tableau biaisé, parce qu'il parle de ce que moi je considère comme fait. Deuxièmement, je parlerai de la faiblesse de l'État et que faire. Dans cet environnement, je dirais alors au troisième point, que devient la jeunesse dans tout cela. Quatrièmement, je descendrai sur Ituri face à la jeunesse. Mon propos sera clôturé avec un appel à la paix. De la République démocratique du Congo, pour dire que je suis vraiment désolé parce que la projection est ce qu'elle est, mais je pense que vous pourrez me suivre. Il faut dire, la République démocratique du Congo, c'est l'une des plus grandes nations d'Afrique. On ne vous apprend rien là-dessus. 2 345 409 km². Aujourd'hui, avec une population estimée à 110 millions d'habitants, 40 millions d'électeurs en 2018. Ce qui signifie que les projections nous amènent autour de 50 millions d'électeurs l'année prochaine. Une jeune démocratie, pays fragile, avec persistance des foyers d'insécurité. Rôle stratégique important au cœur de l'Afrique. Je pense qu'ici, quand même, nous nous ignorons. Le monopole de la force ne doit revenir qu'à l'État. Et à lui seul. Lorsque nous commençons à partager la force, c'est là que naissent des mouvements qu'on peut qualifier d'incontrôlés et des conséquences, c'est la déliquescence de l'outil même de l'État et ce qui nous reste d'accord. Deuxième solution, revenir à la vocation originelle de la RDC dans l'optique de créer un espace d'échange et d'opportunités d'affaires. Business land, ça veut dire quoi? La RDC est née sous les formats que nous avons, non pas par la volonté des Congolais. La RDC est née dans les formats que nous avons aujourd'hui, dans nos frontières actuelles, de la volonté des puissances de l'époque en 1885. Les puissances de l'époque alors, c'était l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Ils se sont réunis pour partager l'Afrique, pour se partager l'Afrique. Ils se sont partagés
les territoires africains, mais arrivés au Congo, ils ont dit, on ne donne à personne d'entre nous l'effort. Parce que c'est tellement juteux, nous allons confier ça à la Belgique, du moins pas à la Belgique, au roi belge. On lui donne comme mission, vous avez la garde de la République, et nous, nous pouvons chacun entrer comme il veut pour faire son commerce. Donc le Congo doit être une zone de libre-échange. Ce que nous vivons aujourd'hui, l'univers entier veut venir au Congo. Ça répond ou ça participe de cette vocation. Le convenient ou l'erreur que nous, Congolais, nous avons fait, et c'est depuis l'indépendance, parce que nous avions là, c'est de n'avoir pas mobilisé les facteurs qui justifieraient que le Congo devienne effectivement un État d'abord, mais un espace où on devrait faire le commerce, où on devrait faire les échanges, où ça devrait être une terre d'opportunité. Nous devons revenir à cette vocation. Ceci passe obligatoirement par le désenclavement du pays en posant un socle infrastructurel sous forme d'une clé en X reliant l'ouest à l'est et le sud au nord. Ceci permettrait que vous pouvez partir de Bounia à Lubumbashi en voiture. Vous pouvez partir de Bounia à Kinshasa en voiture. Cela a eu lieu à un certain moment. C'est un rêve, mais c'est faisable. Troisième solution, nous avions dit la première proposition de la refondation de l'État. La deuxième solution, c'est revenir à la vocation originelle du pays. La troisième option, c'est les droits élémentaires. Mangeons nourriture pour tous, santé pour tous, éducation pour tous. Pas seulement pour tout enfant comme c'est écrit. La base de tout ça, c'est l'agriculture, c'est l'énergie, la technologie, l'information et les communications. Et tout ceci basé sur la recherche. Un pays qui néglige sa recherche, c'est un pays voué à la disparition. Lorsque nous donnons plus d'importance à ceux qui nous jouent la musique qu'à celui qui nous donne la science, nous sommes dans une sorte de contradiction de laquelle nous devons sortir. Que devient la jeunesse dans tous ces tableaux? J'avais dit que c'est un tableau peint et c'est un tableau biaisé parce que ça procède de ce que moi j'ai vécu. On m'a invité ici comme quelqu'un qui a l'expérience. On m'a invité ici comme quelqu'un qui connaît le pays. C'est ce que j'ai peint et que je me disais que j'allais partager avec cette jeunesse. La jeunesse veut très mal autour des challenges, des difficultés, des problèmes. Pour être plus rapide, parmi les problèmes de la jeunesse, le chômage. Tout le monde, on ne sait pas, les universités déversent dans la société des milliers de diplômés chaque année. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils font quoi? Ils vivent dans le désespoir. Faible revenu, même ceux qui travaillent ont des revenus faibles. Précarité sociale, limitation sociale, ils sont nombreux. Même moi-même, j'ai dû faire les fiançailles de 6 ans. Juste parce que je ne savais pas à quoi mobiliser les fonds de la dot. Ah, j'espère que je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont fait plus que moi. Tout cela procède des limitations sociales qui caractérisent la jeunesse. Accès limité à certaines connaissances, mais ne vous en faites pas. Je n'ai pas changé de fiancé, j'ai marié la même femme. Accès limité à certaines connaissances, marginalisation, conflit des générations, déficit d'encadrement et d'orientation. Ils sont nombreux, ceux qui vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui, juste parce qu'ils n'ont pas été bien orientés, juste parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information, juste parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Même la parole de Dieu dit, « My people perish by lack of knowledge. » Mon peuple périt par manque de connaissances. Quand vous n'avez pas de connaissances, vous risquez gros. Les faiblesses néanmoins de la jeunesse, toujours identifiées,
Première faiblesse, les ambitions démesurées. Je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir des ambitions. Mais aujourd'hui, je parle avec des jeunes et je les encadre. Tous veulent devenir des directeurs dès qu'ils sortent de l'université. Plus personne ne veut faire carrière. Ce sont des ambitions nobles, mais je vous conseillerais plutôt d'aller lentement. Nous sommes dans la génération Android, bien sûr. Nous sommes dans la génération Facebook et autres. Non, mais il y a des étapes sans lesquelles vous ne pouvez pas être à l'aise lorsque vous atteignez les sommets. Paresse est la loi des moindres formes. Tendance à rejeter la faute aux autres. On appelle ça blame shifting. C'est-à-dire que non, lorsque vous voyez que vous êtes dans tel ou tel autre problème, la tendance est de dire c'est la faute de tel ou de tel autre. S'il vous plaît, jeune, quand tu voulais vraiment savoir la vraie raison, le vrai responsable de ta situation que tu vis aujourd'hui. J'insiste, c'est très important pour ce que vous, jeunes, si tu veux savoir le vrai responsable de ta situation, je te demande de faire un exercice. Pointe-toi devant un grand miroir, celui qui apparaîtra devant toi, c'est lui le premier responsable. Et tous les filles, ils se promènent. Elles se promènent avec un téléphone qui coûte plus que le téléphone du directeur, plus que le téléphone de tel. C'est des choix que nous faisons à nous de savoir juger. Conséquence, c'est quoi? C'est la pauvreté. Et c'est ce que je qualifie de schéma. Des schémas de désespoir de la jeunesse. Ces schémas comportent 4 ou 5 étapes. 1. La pauvreté. La pauvreté nous amène à un avenir sombre. Et l'avenir sombre nous amène au désespoir. Le désespoir vous amène à faire des choix, des tâches par défaut. Il y a des gens qui font un travail juste parce qu'ils disent « Je n'ai pas autre chose à faire, alors je fais ceci. » C'est très dangereux quand vous arrivez à ce niveau. Mais le pire, c'est que si vous arrivez à cet état, vous aurez une jeunesse instrumentalisable, manipulable et exposée à tout danger. Le désespoir, ça touche la jeunesse. Et quand le désespoir vient, le jeune est prêt à tout. Il y en a qui se suicident. Il y en a qui se disent, bon, je vais prendre carrément les armes. Là, il y a d'autres qui disent, je vais me fâcher, je me fâche contre la société. C'est entre autres ces genres de choses. La ferme, nous avons voulu que ce soit des grands espaces, on a réservé plus de 20 000 hectares. Mais c'est une ferme intégrée, agribusiness, où nous essayons de mettre en musique toute la chaîne de valeur agricole. Parce qu'on trouve le business qui est dans l'agriculture, c'est dans la transformation. Quand vous produisez une pastèque ou quand vous produisez un fruit d'ananas, vous pouvez vendre un fruit à 2 dollars. Mais le même fruit, si vous le transformez en jus, le même fruit va te donner plus de 10 dollars. C'est ça ce qu'on appelle la valeur ajoutée, ça se crée la chaîne. C'est une chaîne importante et je pense que c'est la filière la plus qui peut absorber le plus de jeunes dans ce que nous faisons. Pour terminer, mon propos, je reviens sur terre en disant Ituri et jeunesse. Oui, Ituri, que miroites-tu alors ailleurs aujourd'hui? J'ai fait un exercice ce matin. Je me suis connecté sur Internet. Vous pouvez le faire vous-même avec vos téléphones, vos ordinateurs. J'ai écrit Ituri, recherche. Quand j'ai cliqué, j'ai eu 7 articles. 7 articles qui sont écrits. C'est-à-dire que même si vous êtes en Australie, vous mettez Ituri. C'est ce qui sort. Insécurité, tuerie, viol,
massacres, déplacés internes, coupeurs de route, instabilité, groupe ou mouvement armé, faim, famille, pauvreté. Aucun article n'a écrit ce qui est bon. C'est l'image que nous donnons. C'est l'image que nous donnons de nous-mêmes. Et dans cet environnement, qu'est-ce que nous attendons? Nous nous vendons comment? Mais pourtant, Ituri, tu sais, tu étais pourvoyeur de bonheur. Tu nourrissais le pays avec ta viande, avec ton lin, ton lait, tes poissons sortis du lac. Ça faisait le bien du pays. Tes produits de tout genre sortis de tes champs. C'était ça Ituri. Ce n'était pas la tuerie. Ce n'était pas les massacres. Oui, tu as l'une des terres les plus fertiles du pays. Tu as l'or. Tu as le pétrole. Et tu ignores même. Et bien d'autres ressources. Oh Ituri, pourquoi as-tu donc perdu ta vocation? Une autre parenthèse, je vais fermer. Si vous allez aujourd'hui dans les Haut-Bélé, en territoire de Ouadja, vous avez là-bas une mine. On l'appelle Kibali Mining ou Barik. Félicitations à eux, ils font de grandes choses. J'étais à une réunion et j'ai assisté. Un peu énervé et en colère. Non pas parce qu'ils prennent l'or, non. Savez-vous que pour installer l'usine, on a déplacé des milliers de tonnes? Non, le fait de déplacer, ce n'est pas ce qui m'a fait un problème. D'ailleurs, ces gens-là, ils méritent même d'être fouettés. Mais ce qui est net, c'est que mes grands-pères qui sont là, qu'on a enterrés, ils sont nés dans la pauvreté. Ils ont grandi dans la pauvreté. Ils ont vécu dans la pauvreté. Ils sont morts dans la pauvreté. Mais on les a enterrés et ils dorment sur les ossements, dorment sur les gisements. Le pétrole, il y en a ici au Gabon. Nous allons mourir et nous allons nous enterrer sur ces gisements. Non, révolte-toi, jeune, pour ça. Ça, c'est une révolte saine. Une révolte saine qui amènerait plutôt, et c'est ce que j'appelle, au lieu de parler massacre, au lieu de parler tuer, parlons désormais développement. Ituri, tu as une jeunesse abondante et dynamique, une force certaine. Tu n'as heureusement pas perdu ton hospitalité légendaire, Ituri. Tu as une intelligence et la crème intellectuelle nécessaire pour redorer le blason terrible. Cette crème est sollicitée ailleurs. En Afrique, nous allons le jouer ici, on a la paix. Car il n'y a pas un chemin vers la paix, mais c'est la paix qui est le chemin, disait Gandhi. Je voudrais vous dire ici, nous sommes en erreur parce que nous continuons à penser que cette paix dont on a besoin, c'est d'autres qui doivent s'en charger. Il y en a qui pensent que sinon c'est la MONUSCO qui doit donner la paix dans ce pays. Non, arrêtons de rêver. Ne démissionnons pas de nos responsabilités. Engageons-nous. La fondation de l'État, l'armée, donnons à l'armée le meilleur que nous avons. Le meilleur médecin envoyons-le à l'armée. Le meilleur informaticien, donnons à l'armée. Le meilleur ingénieur, donnons à l'armée. Donnons à la police. Redimensionnons ces deux instances. Faisons en sorte que nous renforcions l'administration et surtout la justice. Quand je parle de la justice, je ne terminerai pas. C'est dire que je vous ai donné le Congo en entité, des provinces au village. Il faut qu'on ait la présence de l'État
au niveau de chacune de ces entités. Et quand on parle de la justice, ce sont les juridictions, les hautes juridictions au niveau national, cour constitutionnelle, cour de cassation, le Conseil d'État. Au niveau provincial, les différentes cours d'appel, les différents tribunaux de grande instance, les tribunaux de paix au niveau des territoires, mais aussi les tribunaux routiers. Les curieux peuvent témoigner de ce que je dis. Alors, il faut chacun répondre sa part. Sans faire votre secrétaire pour la certitude de ce que vous avez dit, j'ai quelques observations pertinentes, à savoir, vous parlez de la jeunesse. Est-ce la jeunesse qui promeut le mortel ou la jeunesse est scientifique? Vous avez parlé de la guerre. Je vous informe que je suis juriste de formation et je suis à la deuxième mandature de l'assistant. C'est la faculté de droit. Et je publicise donc le droit du pouvoir. Monsieur le Président, vous avez parlé de la RDC, 110 millions d'habitants, environ 50 millions d'électeurs. Donc quand nous disons environ, c'est un calcul de probabilité. Et vous l'avez si bien dit, nous ne disposons pas de registre d'état civil. Donc ce qui devrait se faire en amont, c'est dit en bas. Ce qui m'a intéressé dans cette partie, c'est lorsque vous parlez de la tenance pacifique du pouvoir, où le président sortant vit en toute liberté, lorsque son successeur est au pouvoir. Je voudrais ici que vous ne me preniez pas en uniforme, mais pleinement comme un scientifique. Vous avez parlé d'une contradiction incongrue, si je vous ai bien suivi. Tout de suite, je vous dirai que cette contradiction est entretenue. Parce qu'aujourd'hui, il tourne ici une misère la plus noire, et cette misère est entretenue, a été entretenue. Et nous récoltons le produit de cet entretien. On se le dit en face. Le petit itourien à la guerre de province, nous pouvons prendre 10 échantillons, les placer ici, et prendre 10 Chinois, les placer à droite, poser la question aux Chinois et aux Congolais, qui veut aller rester à la République et qui veut aller en Chine. Les Chinois vous diront, je vais rester au Congo, et les Congolais diront, je vais aller en Chine. Pourquoi? Simplement parce que le politique a mis à disposition du Congolais ce qu'il dit aujourd'hui. Vous connaissez la création des partis politiques? Pas plus tard ce matin, j'étais dans une conférence organisée par la MONUSCO, que nous devons nous apporter la paix, comme vous l'avez dit. Et j'ai insisté sur la création des partis politiques. On peut rêver la nuit d'être président des partis politiques. Le matin, on s'élève, on crée son parti politique. Sa femme, secrétaire générale. Son beau-frère, rapporteur. Son cousin, qui vous voulez. Ainsi de suite. Et allez-y comprendre la succession de ces activités et la suite logique. Monsieur le Président, nous voulons que vous déterminiez ici, la RDC, est-elle un État ou une nation? Vous avez parlé de donner le meilleur de nous-mêmes aux forces armées, à la police, dont je suis membre, je sais pas, accidentellement ou par vocation. Vous avez oublié que notre armée, notre police ont été tellement politisées qu'aujourd'hui il est difficile de ne pas satisfaire votre mentor. Le politicien est allé plus loin à politiser même l'administration qui est censée être apolitique. Pour être secrétaire général, il faut appartenir à un tel parti politique.
la transhumance politique congolaise, comme souligne le professeur Joly, et je salue au passant. La transhumance politique, comment on peut vous expliquer qu'aujourd'hui, on ne se cache pas le visage, puisqu'il est l'actualité, mais c'est Jean-Marc Kaboum, qui a été un des grands piliers de l'UPR, changé par quelle voie magique, des figures, est-ce de la tromperie politique ou c'est réellement la réalité politique? À la question de savoir qu'est-ce que la jeunesse, eh bien, vous avez parlé du chômage. Papa Monsieur le Président, vous avez parlé, vous avez posé la question « Quelle devient la jeunesse ?» Et vous avez donné la réponse « Quelle devient la jeunesse ?» Notamment, vous avez parlé du chômage. Alors la question est simple. Si chômage il y a, pourquoi le gouvernement a-t-il fermé ce qui monte, qui crée des emplois? Vous allez répondre à l'administration scientifique et peut-être que vous ne pouvez pas dans ces cas, nous sommes dans le marché de la liberté, je comprends que vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a dans notre société certaines personnes qui ne comprennent pas, les autres qui ne veulent pas comprendre. C'est là le problème. Je vous l'ai dit en connaissance des causes. Le politique, comme être humain, à cet honneur, c'est un félin. Lorsque le lion vient à battre, il ne tient pas compte de l'âge de la gazelle. Lorsque le léopard vient attaquer, il ne tient pas compte de la taille de l'antilope. Petit, petit ou grand, il mange. Et la politique est simplement un seul domaine sans cœur. Vous irez tous à l'armée. Bon, vous avez vos préférences. Ouais. Si vous allez dans l'armée pour détruire, vous n'allez vous apprendre qu'à vous-même. Parlons de l'entrepreneuriat, Monsieur le Président. En mars 2022, j'ai été personnellement témoin de vos actions à l'Isée. J'ai visité votre menuiserie. J'ai visité votre agro-système où les cochons sont placés sous les lacs et les déchets sont renversés chez le poisson. Et j'étais jusque loin, donc voilà, c'est une histoire qui passe. Mais le vrai problème des touristes, camarades, disons-le. Le vrai problème de l'Ituri, c'est la haine viscérale qui nous loge. Nous avons une haine viscérale. Oui. Monsieur le Président, c'est en pareille circonstance que j'éclate ou dis tout ce que je sens, car j'ai de la peine dans mon cœur à voir l'Ituri vivre de cet état. Ce n'est pas nous qui avons fait de l'Ituri ce qu'il est, mais c'est l'Ituri qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est tout ça. Nous devons nous rendre l'ascenseur. Ce serait étonnant que vous soyez enterré sur le pétrole et gravel pendant qu'il y a de l'or à Djougou, il y a des pommes de terre à Djougou, et Djougou a une terre faite arabe la plus fertile. Le lac Édouard est proche de poisson. Le lac Édouard, c'est le lac le plus poissonneux du monde. Mais je vous informe que l'Ituri mange de poisson sur ordonnance médicale. Ça fait rire, mais ça choque. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'avec un lac aussi poissonné que celui-là, avec le nombre d'intellectuels qui négocient de l'Ituri, nous ne pouvons pas faire créer une entreprise ou une pêcherie industrielle, organiser une chaîne de froid pour déverser tout le poisson à Kinshasa. C'est quand même curieux. Aujourd'hui, Ituri ne sait pas sortir les quantités des haricots qui nourrissaient la ville de Kinshasa trois fois l'an, simplement par les distractions. Et nous avons en Ituri l'habitude de mettre l'accessoire devant le principal. C'est là la grande erreur. Chers Ituriens, je vous exhorte de vous réveiller. Simplement parce que aucun État au monde n'a donné l'indépendance à la République démocratique du Congo. Ce sont les Congolais qui l'ont arraché, pourquoi nous disons aujourd'hui le Mumba héros. Si nous pensons que c'est la Belgique, la MONUSCO,
et autres qui nous donneront l'indépendance politique et l'indépendance économique, c'est de la rêverie, ce sont des hérésies. C'est tout ça. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'état des sièges qui va donner la paix à l'Ukraine. C'est la synergie. C'est la synergie de tous les citoyens et l'état des sièges ensemble que nous devons sortir du tour de cet engouement que nous avons nous-mêmes créé. Vous remarquez, ce nombre incalculable de jeunes gens déversés dans la rue. Mais c'est une bombe à retardement. C'est tout ça. Ces petits enfants que nous voyons joncher la rue seront plus dangereux que ceux que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi c'est le cœur de l'homme. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Humanisons nos relations, sachant que personne n'a demandé à Dieu d'être le créateur de telle ou telle communauté. Non. Je suis venu comme porteur de la paix. Je suis venu comme pour évangéliser la paix, pour contribuer à ce que les autorités du pays font déjà, pour le retour de la paix en Ituri. Parce que je pense que nous ne pouvons pas rester silencieux et ne pas participer à cette œuvre utile de la paix. J'ai été invité par la COF, par l'Université de Bounia, que je remercie à passant. Nous avons donc trouvé que c'était nécessaire que nous contribuions à cette paix. Et c'est ce que nous avons fait. Je voudrais remercier ici la jeunesse à travers la communauté estudiantine qui a été plutôt très favorable et nous avons eu un bon échange. Je vous remercie. Et j'étais en train de me dire qui a dit que les universitaires ne participent pas à la réflexion ou au développement de ces pays. Ceux-là qui doutaient, voilà une preuve. Vous avez suivi comment la cellule a pu inviter un grand homme pour ces pays, M. Nanga, qui est venu nous partager son expérience et qui a sensibilisé la population, la jeunesse itourienne, à avoir un peu plus dans l'entrepreneuriat, afin de pouvoir participer au développement de ces pays. Et sincèrement, c'est encore pour moi une occasion de lancer un message à ceux-là qui pensent que nos problèmes, nous pouvons les résoudre à travers la violence. Trop, c'est trop. Beaucoup de sang a coulé en Ituri. Il est temps qu'on s'arrête un moment et que nous tous nous puissions penser le développement de ces milliers. L'Université de Bounia est en train de participer à sa manière dans ce processus de sensibilisation et de conscientisation de la population de l'Ituri. L'entrepreneuriat dans le contexte de l'Ituri, quel est votre conseil? Je sais que ce n'est pas facile de pouvoir entreprendre, mais question de commencer. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel solennel au pouvoir public, notamment aux autorités de l'état des sièges. On ne sait rien entreprendre aussi longtemps qu'il n'y a pas encore la sécurité. Ils doivent nous rassurer, ils doivent sécuriser les personnes et leurs biens, assurer la libre circulation de personnes ainsi que de leurs biens. Nous avons besoin des infrastructures, non seulement les infrastructures routières, mais aussi des infrastructures énergétiques pour nous permettre à ce qu'on transforme tout ce que nous allons produire ici localement, au lieu de penser importer le brut et espérer que ça soit transformé ailleurs. Voilà, donc il y a beaucoup de recommandations. Il y a notamment l'accompagnement financier de ceux-là qui prennent ces initiatives-là. Il faut que les banques accompagnent la jeunesse. Voilà. Et ici chez nous, vous allez, il y a beaucoup de gens qui hésitent d'aller vers les banques parce que le taux de remboursement est éléphantesque. Ce n'est pas bon. Ça nous tire vers le bas et ça bloque le développement de notre milieu. Au grand public estudiantin qui était le grand bénéficiaire de cette conférence, qu'est-ce que vous pouvez exhorter? Oui, une chose c'est d'écouter, une autre c'est de l'appliquer. Je veux demander à mes jeunes frères, mes étudiants, ils ont déjà de la matière, ils doivent commencer à l'appliquer. Voilà. Et la nation attend de cette participation à la reconstruction, cette participation au développement. Lorsque vous avez fait l'université, en tout cas la voie pour aller tuer après l'université, verser les sangs après l'université, détruire ce que vous avez trouvé après l'université, ce n'est pas ce que nous leur apprenons ici. Ici, nous leur apprenons qu'ils doivent être des citoyens modèles. Ils doivent être à même de pouvoir apporter leur pierre à l'édification de l'État congolais. Cette conférence ici s'inscrit dans une logique où nous avons invité un éminent expert
vraiment un aguerri en matière électorale pour qu'il puisse parler de la paix, des élections et du développement. Et particulièrement, le public cible, nous avions ciblé les étudiants, qui est la jeunesse, qui est l'avenir de demain. Au même moment que nous tenons cette conférence ici envers les étudiants, la même université, en collaboration avec la MONUC, s'adresse encore à une autre catégorie d'intellectuels. Une conférence qui va prendre 2 jours à l'hôtel, je crois, de Kirikou ici, ça s'appelle comment ? Ah, voilà. Et ils vont passer 2 jours là-bas, en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ? Nous voulons nous adresser à la fois à la jeunesse et nous voulons également nous adresser aux élites, aux intellectuels. Tous les débats, toutes les conférences, tous les dialogues intracommunautaires, intercommunautaires, on ne s'adresse qu'aux communautés, on ne s'adresse qu'aux notables. Mais pourquoi on a laissé de côté les intellectuels ? Or, les intellectuels ont réellement un plus à ajouter à la fois pour le développement, à la fois pour la pacification, la sécurité, ainsi que l'entrepreneuriat. Donc, Corneille Nanga a ajouté un plus à ce que la jeunesse doit s'impliquer dans l'esprit entrepreneurial. Pour qu'on arrive à l'esprit entrepreneurial, il faut aussi avoir la culture entrepreneuriale. Donc c'est un chemin, nous l'avons félicité, nous l'avons encouragé, et que sa visite n'est pas la première, elle est la dernière, mais prochainement il va revenir, et l'université peut encore inviter d'autres experts pour venir encore édifier les milieux scientifiques et les milieux académiques, ainsi que les milieux étudiantins. Je vous remercie.